Et bonsoir à tous. Juste pour vous montrer comme quoi les deux petits bébés se sont installés eux-mêmes. Alors ils ont été chercher la couverture qui était pliée donc sur une des banquettes. Elle était bien pliée sur la banquette. Alors ils se sont tirés la couverture, ils se sont étalés et se sont fait un dodo tous les deux. Tranquille mimille, enfin voilà. Les deux gros bébés, ils ont trouvé leur place pour squatter la journée. Allez, à plus tard. Et salut à tous. Bon, alors, je sais pas si vous m'entendrez bien, parce qu'il y a mon petit compresseur qui regonfle la roue du garage. C'est vendredi, je vous ai fait aucun rush cette semaine. C'était trop compliqué, c'était trop la folie, il y avait trop de choses à faire. Donc, voilà. Je suis prêt à partir à Perpignan juste à temps, parce que le pneu, en fait, j'ai eu un pneu seulement ce matin. Du coup, il est monté, il est depuis quelques minutes seulement, il fallait le temps que je sorte du boulot pour pouvoir le mettre sur le camion. Voilà. Il est je sais pas quelle heure, je vais arriver à très tard, c'est pas très français, mais... Voilà, on va essayer de pouvoir mettre du gasoil aussi là à côté en espérant qu'on ne fasse pas trop les pieds, pas trop d'humeur en même temps. Et puis voilà, on va partir pour Perpignan, aller retrouver les petits bébés et ça sera bien. J'essaierai de vous faire plus de rush durant le week-end et puis des choses un peu plus jolies. Mais c'est vrai que cette semaine, il y a un peu de côté. Pas bien. T'en être honnête là. Allez, je vous dis à plus tard. Allez, des bisous. Et rebonsoir, c'est encore moi. Alors du coup, je fais juste un petit arrêt pour vous montrer. Là, je suis devant chez Gueuleton. Alors je vais pas tout filmer parce qu'ils ont des clients et puis on n'a pas forcément toutes les autorisations. Mais les locaux Gueuleton sont là. Et c'est un petit rush, surtout destiné à mon père, qui est un grand fan de Gueuleton. C'est ce qu'on peut appeler un bon vivant, comme eux. Il adore tout ce qui est bien manger, bien boire, bien partager, surtout le partage en fait. Donc voilà, pour toi papa, un petit rush, te montrer le restaurant de chez Gueuleton. Voilà, ce que tu suis sur internet, et c'est ici. Allez, c'est reparti pour la route. Et salut à tous. Bon, voilà, ça y est, premier jour des vacances. Joli cadre pour promener les toutous et puis se lever le matin. Qu'est-ce que vous en dites? Alors le camion, ça y est, il est de nouveau fin opérationnel sur les routes. Et puis, il a super bien roulé. Ça a été nickel. Hier soir à l'arrivée, j'étais directement à l'anniversaire d'une amie, là sur Perpignan. Et puis je récupère les titis tout à l'heure, dans l'après-midi. Voilà, ça va être plutôt sympa. Mais je pense que ces vacances vont être vraiment sympas. Allez, je vous fais des images. C'est encore moi. Et aujourd'hui, du coup, après la plage, après m'être bien fait tremper par Mademoiselle Jessie, et c'est petit atelier bricolage dans le camion. Voilà. Un peu de bricolage. Refait toute la cloison qui est là. À la base, c'était un meuble comme ça là. Enfin, pas terrible. Un plaquage bois, du coup j'ai décidé de le monter tout en bois de palette. Voilà, ça va faire vraiment joli.
Alors non, là c'est normal, c'est l'accès au frigo. Et pour certaines vis, il fallait que j'accède là. Pour ôter la poignée qui servait avant à monter dans le camion, que je me suis fait un peu manger par le chien. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fera un petit peu comme ma porte. Allez, je vous montrerai la suite plus tard. Hello! Bon, alors cette semaine, on a vu Jessie qui s'est pris une couette et qui s'est installée correctement. Oui, ma puce, tu sais que je parle de toi. Donc tu viens chercher les câlins. Mais c'est mieux si les gens te voient. Qu'ils voient ta belle bouille, la tête rouge bouille du gros bébé. Et ben du coup, j'ai décidé, avec les rouleaux de pelouse là que j'avais récupéré en déchetterie, et ben de lui faire son tapis de pelouse. Comme ça, elle se sent comme dehors, dedans. C'est pas mal, non? C'est bien? Qu'est-ce que t'en dis, Tizi? Tu donnes ton commentaire aux gens? Oh, c'est très bien. Merci, mon papa. Merci, mon papa. À plus tard. Aujourd'hui, petite conception du baratoutou. Comme j'ai toujours ma gamelle d'eau en fait à côté du camion, en constant, et que tous les toutous du terrain viennent toujours boire à ma gamelle d'eau. Puis d'ailleurs, Jessie surveille bien le flux. La petite poulette vient boire aussi à la gamelle d'eau. C'est vrai qu'on aurait pu inclure Ellie Poulette. Mais voilà. Petite customisation du camion. Baratoutou. Bon ben voilà, petite soirée avec des poteaux qui sont venus tout droit de Franche-Comté. On voit le camion au loin là-bas. Donc je les filme pas, hein. Ils sont pas trop vidéo, etc. Donc voilà, on respecte chacun. Jessie a été faire son petit plongeon dans la mer, comme d'habitude. Gizmo est là, pataugé, impeccable. Et voilà. Et j'ai ma princesse, là, voilà, qui est là, qui dit coucou. Allez, on va chercher du bois, on va faire un petit feu, une petite grillade ce soir. Et puis je vais mettre au montage et vous aurez la vidéo. À bientôt.